Salut à tous, c'est Amrioli et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La fameuse vidéo annonce, celle que vous attendez depuis si longtemps, 3 mois à peu près. Et du coup, je vais pas vous faire attendre plus longtemps que ça. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps que ça. Et voilà, vu que tu fais le mental et que tu regardes cette vidéo, mets-nous un petit générique sur le fond vert avec le titre de la première annonce. C'est parti! La fin d'Aquadventure. Alors, comme vous avez pu voir sous-titre qui vient d'apparaître sur le fond vert, le beau fond vert que j'ai fait avec mon logiciel de miniature, l'Aquadventure est une série que j'ai lancée. il y a un ou deux mois, sur la 1.3 Mania. Sauf que j'ai envie d'arrêter cette série. J'avais ultra envie de la faire, cette série et tout. Sauf que je vais faire une série en coop avec Lucky Gaming sur Minecraft en 1.13 Vania sur un serveur. Et je me suis dit, ça sert absolument à rien de faire une aventure solo et une aventure multi. Du coup, Aquadventure prendra fin. La vidéo, je la mettrai en non répertorié. Et si vous avez envie d'aller la regarder, et ben, elle sera toujours dans le dossier Aquadventure. Mais il n'y aura plus jamais d'épisode. Ou peut-être un épisode pour dire pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'épisode. On verra. Donc, on passe à la deuxième information. C'est parti. Le planning. Donc, nous sommes en compagnie des Vola pour cette deuxième annonce. Ça y est, Vola, comment ça va? Salut. Et cette annonce, comme vous avez pu le voir dans le sous-titre, le planning. Donc, quelqu'un m'a posé une question il y a quelques jours. Quel est mon temps de fréquentation, enfin de combien de vidéos je poste et tous les combien de temps? J'ai répondu que je dirais ça dans les annonces, du coup je le fais. Et même j'avais déjà prévu de le dire avant qu'on me pose la question. Du coup, on a bel et bien un planning qui apparaît sur le fond vert. Et voilà, je vais vous faire un beau montage, on est d'accord? Pas de soucis. Quoi? Pas de soucis. Bah, j'ai cru que t'as dit pas tout de suite. Mais c'est normal que tu puisses pas faire tout de suite. Mais du coup, pour ce planning, qui est très simple que vous voyez sur le fond vert, on a bien. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une vidéo le lundi, une vidéo le vendredi et un live le mercredi. Pendant, quand c'est la rentrée, pendant les jours où il y a cours, enfin les semaines où il y a cours, c'est comme ça. Sinon, pendant les vacances, on peut rajouter une petite vidéo ou un petit live pendant la semaine. C'est cadeau, ça fait plaisir. Mais en parlant de la rentrée, on passe à la troisième annonce. C'est parti! La rentrée. Alors maintenant, nous sommes sur le thème de la rentrée. Alors vous n'êtes pas sans savoir que les cours ont repris depuis une ou deux semaines. Trois, je sais plus, j'ai déjà oublié, donc voilà, ça doit être il y a un petit moment. Et donc, vu que c'était déjà par rythme hyper régulier niveau vidéo, grâce au planning, on va pouvoir du coup être plus régulier et même en fonction de la rentrée, pouvoir continuer à étudier sans que ça nous prenne trop de temps sur pour étudier les vidéos. Mais qui dit... Mais qui dit la rentrée dit aussi nouveau let's play. Je l'avais peut-être déjà dit, je ne sais plus, mais j'ai prévu de faire une vidéo sur Baldi's Basics in an Educational. Et du coup, c'est un petit jeu un peu d'horreur en mode Slender, mais qui ne fait pas peur. Mais du coup, vu que ça, c'était la rentrée, je me suis dit, on va faire une vidéo dessus pour l'occasion. Du coup, cette vidéo arrivera dans les semaines à venir. Restez à l'écoute. Et j'avais eu l'idée aussi que, à chaque fois que vous faites une annonce qui vous intéresse, on pourra mettre un hashtag sur le fond vert et vous pourrez commenter votre avis à propos de cette annonce grâce à ce hashtag. Vous commentez dans les commentaires. Donc, vous commentez dans les commentaires. Du coup, on se retrouve pour le prochain thème. C'est parti. Et le prochain thème est là maintenant. Pikachu. Donc le thème est Pikachu. Pikachu qui est ici, le gros relou qui arrive pour la première fois dans un épisode de Tsushin 4. Il est là et j'ai envie de vous dire que il va passer à un stade supérieur. Parce que oui, mesdames et messieurs, Pikachu passe de la 2D à la 3D. Et voilà, fais le compte à rebours de 1, 2, 3, mais 3, 2, 1. C'est parti. Vas-y, voilà. 3, 2, 1. Pouf.
Là, bah, excusez-moi, je préfère, voilà, j'ai fait du beau travail. Donc, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Mais, attendez. Pikachu est passé en rang de 3D. Bon, là, il a une tenue. Il est allé, et en fait, il est allé au shopping. Et en fait, ouais, il là, a trouvé que la cape et le chapeau, c'est lui avait ouais, non. Non, on va faire la vraie version. En fait, il s'est préparé pour Halloween. Il est déjà prêt pour une vidéo d'horreur. Ne vous inquiétez pas, Pikachu fera la vidéo d'Halloween de cette année. Bien sûr, je vais le maquiller. Ouais, c'est ça. Ne me dis pas, hé, t'as fermé mon planning là. Et voilà, comment je fais? Comment je fais moi pour voir qu'est-ce que c'est le prochain thème? Du coup, et ben, je vais faire ça avec vous. Alors, le prochain thème, c'est parti, il est là maintenant. Un déménagement. Donc, effectivement, nous avons déménagé. Oui, nous avons déménagé, on sera sur le fond vert et il passera des petites photos de l'escalier et des toilettes parce qu'on ne va pas vous montrer plus de choses. c'est l'essentiel. l'essentiel, non, pas l'essentiel. Yeah. Mais bon, pas grave. Donc, en fait, nous avons déménagé, comme vous avez peut-être pu le remarquer. Par exemple, quand j'ai fait le live Fortnite, défi de la semaine 8 plus palier 100, qu'est-ce qu'il s'est passé enfin? Il y avait de l'écho, pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui étaient présents, il y avait de l'écho. Et l'écho, c'est quoi? C'est signe d'une pièce vide. Une pièce très vide. C'est pour ça. Juste des paquets de chips et des bonbons. C'est oui, c'est voilà qui a ramené ça. C'est qui a ramené des provisions pour le live. Mais oui, quand même, c'est important. Mais du coup, le soir, on déménageait le soir de ce jour-là. Donc du coup, c'est pour ça que peut-être que vous n'avez pas le même fond d'habitude avec. Par exemple, la tapisserie violette. La tapisserie violette n'est pas là. Par exemple, c'est un exemple. Oui. Donc du coup, on se retrouve pour le prochain thème. Et je vais vous redire 12 secondes parce que j'ai encore fermé ma page. Qui est Minecraft Mode. Oui, Minecraft Mode. Vous allez me dire, mais non, mais tu vas arrêter la série, t'as déjà arrêté Aqua Adventure, c'est pas possible, et puis on a aucune série Minecraft sur la chaîne. T'as quoi avec Minecraft? Tu n'aimes plus Minecraft? Bah, en fait, tout simplement, Minecraft Mode, c'est une série que j'aime bien, mais j'arrive plus trop à faire des épisodes dessus. Donc, j'ai une question à vous poser. Combien vous voulez que Minecraft Mode dure encore d'épisodes? Si vous voulez qu'il dure encore 25 épisodes, parce que je crois qu'on est vers l'épisode 11-12. Si vous voulez que, du coup, il dure 25 épisodes, que la saison 1 dure 25 épisodes, ou, 30 épisodes, ou 35. Je vous mets un petit sondage en haut parce que c'est pas qu'une vidéo où on vous dit des informations, c'est une vidéo où vous participez aussi, n'est-ce pas, Evola? Oui, c'est tout à fait. Comme par exemple avec les hashtags. Oui. Et du coup, va vous laisser choisir. Et si personne ne vote, eh bien on votera, on choisira nous-mêmes ou on fera un pile ou face, on sait pas encore. Mais du coup, la Minecraft Mode, on va essayer de la terminer, ce sera le prochain FP. Une fois qu'on aura fini Undertale. C'est une petite parenthèse Undertale. Quand on aura terminé le Let's Play Undertale, on essaiera de terminer Minecraft Mode en priorité avant de continuer de terminer d'autres Let's Play, type Mario Odyssey aussi, qu'il va falloir continuer. Donc, du coup, on va continuer avec le prochain thème. C'est parti! Une chaîne communautaire. Il y a quelques mois de cela, en août plus précisément, j'ai ouvert j'ai participé à un projet que une personne du Discord de Aventure Pingouin a proposé. C'est une chaîne communautaire. Je trouve l'idée sympathique. Du coup, voilà comment est né Garianco le 9 août, je crois. Du coup, je fais des vidéos de temps en temps dessus. J'ai pas posté depuis 2-3 mois, mais je vais essayer de refaire des vidéos parce que là, la chaîne elle tombe aux oubliettes. Donc, si vous voyez cette vidéo, les personnes qui sont avec moi pour la chaîne communautaire, faites bouger la chaîne. Là, je vois plus rien. On a juste gagné un abonné, mais je sais même pas comment on l'a gagné parce que plus personne ne poste de vidéos ou je suis très mal renseignée sur la chaîne communautaire. Mais voilà, quoi. Donc allez vous abonner, le lien est dans la description. Et là vous avez des images de moi qui dois être en train de combattre Sans ou de jouer à Google Draw, qui sont deux des vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, qui sont en train de passer sur le fond vert. Et donc également sur cette chaîne, je vais bientôt faire ma présentation, car je ne suis pas encore présentée sur cette chaîne, car j'avais totalement une flemme gigantesque. Intersidérale. Intersidérale. Du coup, il y aura une vidéo de Evola pour la chaîne communautaire qui va arriver bientôt.
et moi en même temps. Je vais essayer de faire avancer un peu la chaîne. Et surtout, si vous aimez bien mon contenu, parce que la chaîne communautaire, c'est du bonus. Si vous aimez bien ce qu'on fait, moi et voilà, foncez direct, c'est juste du contenu bonus. Donc vraiment, faites-nous péter les abonnements. Je veux que d'ici 2-3 mois, avant la fin de l'année, on a dépassé les 10 abonnés. 10-15 abonnés. Vous nous faites exploser les compteurs d'abonnés, d'accord? Vous pouvez pas me répondre, mais d'accord. Du coup, on va passer à la prochaine information. Qui est un trailer? Un petit trailer sympathique, donc il n'y a pas de thème. Le thème sera dit après. Voici le trailer. Savourez-le bien. Il n'apparaît pas sur le fond vert parce qu'on a une grosse somme de le faire sur le fond vert. Il apparaît maintenant. Et oui, pour votre plus grand plaisir, ou pas, selon si vous avez apprécié la vidéo billard, eh bien, nous organisons un live avec Evola, moi, et notre père et notre mère, et l'ordinateur, bien sûr. Oui, bien sûr, il est invité. Il est invité aussi, dans un tournoi de billard, avec une coupe à remporter. Donc, si vous êtes content, vous pouvez partager sur le hashtag billardcup. Et aussi, si vous n'êtes pas plus, genre pas seulement si vous êtes content, vous pouvez aussi dire si vous avez vu la vidéo billard. Et j'ai une grosse question, c'est qu'est-ce qui vous a fait regarder la vidéo billard? Est-ce que c'est parce que j'ai mis qu'il y avait mon père dedans? Est-ce que c'est le jeu qui vous a intéressé? Je ne sais pas. Elle a fait 50 vues en 2 semaines, et même après un mois qu'elle soit postée, elle fait toujours des vues. Cette vidéo, c'est la vidéo mystère de ma chaîne. C'est tout un mystère, tout un complot illuminati autour de cette vidéo billard. Et je me demandais, et du coup, si vous pouviez me répondre à votre question, votre avis à propos de la vidéo billard, qu'est-ce qui vous a fait cliquer dessus? Est-ce que ce serait un titre putaclic? Est-ce que la miniature est putaclic? J'ai envie de savoir. Est-ce que j'ai bien fait mon travail? Est-ce qu'Evola a bien fait son travail? Est-ce qu'elle a bien fait le montage? Vous pouvez me dire, avec le hashtag billardcup aussi, qu'est-ce qui vous a fait regarder la vidéo billard? Ou qu'est-ce qui vous a pas fait regarder la vidéo bien, et si vous l'avez vu, pourquoi est-ce que vous iriez cliquer sur la vidéo après cette vidéo? Vous n'avez pas envie de cliquer. Oui. Peut-être parce qu'ils aiment pas le billard. Expliquez. Bon. Du coup, on va passer à la prochaine annonce. Qui est aussi un trigger. Donc double trigger d'affilée. Waouh. Et voilà, elle est très contente, elle a encore plus de montage. C'est parti pour le deuxième trailer d'affilée. Boum, c'est parti. Oui, comme vous avez pu le voir dans ce deuxième trailer d'affilée, le Discord et le Twitter de la bande Evoli vont sortir. Le Twitter est déjà créé, le lien est dans la description pour ceux qui veulent aller voir ce que je poste. J'ai pas posté grand chose, mais si vous voulez. J'ai pas posté grand chose, mais il y aura des trucs que je vais poster bientôt. Enfin, si, après cette vidéo, je vais commencer à poster plus en plus de trucs. Mais du coup, j'ai. Et le Discord qui sortira. Je vous donne une date qui sort. Attention. C'est quoi la date en fait? Mais si en fait, mais. Juste de gagner du temps. Le 1er octobre. Le 1er octobre. Le Discord sort le 1er octobre. Donc, il y aura une vidéo spéciale pour le Discord où il y aura un lien et vous pourrez aller le rejoindre. Soyez nombreux, on va travailler à mort avec Mafia pour essayer de rendre ce Discord sympathique et pleine d'envie de vivre et de trucs comme ça et de joie de vivre. Ce Discord va être un très bon Discord, j'espère. Et j'espère que la bande Evoli sera là pour nous soutenir. Pour ceux qui n'ont pas compris, la bande Evoli, c'est le nom de notre chaîne, mais aussi c'est le nom de notre communauté. On est la bande Evoli. Nous, on est les, entre guillemets, chefs de la bande Evoli, mais vous êtes tous, vous qui regardez cette vidéo, vous qui n'êtes pas abonné, vous qui êtes abonné, vous qui avez laissé un pouce bleu sans même avoir regardé une seconde de la vidéo, vous faites tous partie de la bande Evoli.
Bah, de toute façon... Que vous soyez un Skitty, un Parasecte, un Magikarp... Que vous n'existez pas. Que vous n'existez pas. Que vous ne connaissiez même pas la chaîne. Même que vous n'ayez jamais regardé aucune de nos vidéos. Peut-être pas quand même. Il faut au minimum qu'ils aient cliqué sur une vidéo pour être pour faire partie de la bande Evoli. Donc, voilà, c'est pour vous. C'est pour vous. Mais les animaux, ils ne regardent pas notre chaîne. Et bah justement, comment ils font partie de la bande Evoli? Bon, pas grave. Donc, on passe à la prochaine annonce. Et non, ce n'est pas un trailer. C'est parti pour la prochaine annonce. Dun, dun. 60 abonnés. Merci. Et oui, je vous redis encore merci pour les 60 abonnés, 64 au moment où on tourne cette vidéo. C'est dingue à la vitesse à laquelle on est monté. En 2 ans, 60 abonnés, c'est énorme, merci beaucoup. Bon, il y a des gens, ils gagnent 500 000 abonnés en 2 mois. Mais bon, on va pas dire, on va pas parler. Mais du coup, ne vous inquiétez pas que on a prévu quelque chose pour les 70 abonnés, comme à tous les paliers de 10 abonnés. Et on va vous le révéler maintenant. Si tout le monde se tait, on vous le révèle. On attend. La vidéo spéciale 70 abonnés, même si tu as parlé, ça te dit quand même que tu es très gentil d'être resté 2 secondes de plus. Eh bien, la vidéo spéciale à 500 abonnés, une FAQ. Donc, le hashtag apparaît sur le fond vert. Mettez en commentaire hashtag FAQ Evoli, avec un E Evoli, bah, de toute façon c'est marqué sur le fond vert. Et vous pouvez nous marquer vos questions dans les commentaires. Et on fera un live FAQ. Comme ça, avec le peut-être pas avec le fond vert, mais avec genre de la musique en fond, et on pourra faire des trucs, on va discuter, on va répondre à vos questions en live et aux questions que vous avez laissées sous cette vidéo, avec le hashtag FAQ Evoli, et tout va bien se passer, vous allez voir, ça va être trop bien. Et je précise... On jouera au Uno, on jouera aux cartes, on fera des trucs cool. Je précise quand même que les questions peuvent être adressées à Evoli ou à moi. Oui, à nous deux. Parce que si vous leur posez qu'il est voulu, je vais pas être contente. Non, 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 ne t'inquiète pas. Quand même, attends, moi, j'ai envie de jouer un test. On fera le test au truc d'après. Du coup, on passe au prochain thème. Le prochain thème qui est autre que la chaîne des voleurs. Donc là, et voilà, on va parler de sa chaîne dans 2 secondes. Mais juste avant, je voudrais que voilà, fasse ses tests. Essaye de faire un fond vert avec Yoshi. Si tu y arrives, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Je te dirai ce que je fais après la coupure. Donc je vais lui dire ce que je ferai. Et du coup, elle va vous présenter sa chaîne pour ceux qui ne la connaissent pas et dire ses prochains projets. Donc on se retrouve dès que je lui ai dit. A tout de suite. Donc il est vrai que ça fait déjà plusieurs mois, presque une année, que j'ai déjà créé ma chaîne. C'est pour le 19 octobre ton anniversaire de chaîne. Voilà, j'avais totalement oublié. Voilà. Je vais aller chercher un truc à manger, hein. tu te débrouilles. Hein. Ok, et en fait, du coup, cette chaîne n'avance vraiment pas parce que ma flémardise est vraiment très puissante. Mes activités principales sont bouffées et procrastinées, donc ça n'avance vraiment pas. Donc, j'essaierai à mes 1 an de chaîne YouTube de faire un peu plus de contenu parce que là vraiment niveau contenu c'est vraiment nul. Donc je vais effectivement essayer de faire plus de contenu, mais ça vous le verrez bien quand vous irez vous abonner à ma chaîne, hein, s'il te plaît, abonne-toi. Alors, êtes-vous prêts pour savoir la surprise des 100 abonnés? On vous la révèle dans 3... Attendez, je suis plus dans la caméra. On vous la révèle dans 3, 2, 1... La surprise apparaît sur le fond vert. Et non, c'est un proc. On va parler des lapins crétins. Alors, du coup, les lapins crétins, il y aura un let's play sur les lapins crétins qui va arriver très bientôt. En tout cas, une vidéo, mais le lapin crétin qui arrivera très bientôt. Et du coup, c'est tout. Voilà, c'était un prank, MDR. Vous avez beaucoup trouvé ça très drôle. Bon, transition lapin. Donc ça va être tout pour cette vidéo annonce qui aura été vraiment, il y aura eu beaucoup d'annonces. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un like, un commentaire. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Bye. Ah, non,
J'ai oublié quelque chose. Voici la dernière annonce. Allez, une petite dernière pour le fun. Allez, à tout de suite. Donc, comme vous avez pu le voir, on s'est lancé dans un très très gros projet avec Evola, un dessin animé, et oui, au cas où pour ceux qui n'ont pas compris, un dessin animé sur le beau, le magnifique, le dessin animé. Le dessin animé qui s'appellera La Bande Évolue and the PokéTube Quest, qui est entièrement dessiné par Evola avec des voix de moi, Evola et d'autres personnes. Et en tout cas, ça va être une très très grosse vidéo, une très très grosse série. Et encore mieux, avec le hashtag en dessous, vous pouvez dire votre avis à propos de ce let's play. Est-ce que vous trouvez ça ultra cool? Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous avez envie qu'il sorte pour voir? Est-ce que vous avez envie? Et tout ça, vous pouvez compter avec hashtag la bande de Voli PokéTube. Vous pouvez mettre ça. Et merci de ne pas critiquer ni les dessins ni le montage parce que ça prend du temps. Oui, c'est vrai que Evola a mis beaucoup de temps déjà à faire le trailer et à faire toutes ces vidéos. Et donc du coup, pour finir en beauté, nous allons vous dire la date de sortie du dessin animé qui sera... Tu peux ajouter des tambours sur le fond vert. Été 2019, donc on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Bye! Ah bah non, c'était pas la fin! Non, c'est bon, c'est une blague. Allez, bye! Bye! Ah bah non!